Bienvenue dans ce moment de retour à vous, pour aller puiser à l'intérieur de vous de nouvelles qualités, de nouvelles ressources, ou les réactualiser, pour vous aider à être dans une posture intérieure adéquate pour accueillir les nouvelles propositions lumineuses que souhaite vous faire Madame la vie à cette étape de votre vie. Alors je vous invite à sentir votre corps qui est installé là où il est. Votre corps qui est empli de vie, empli d'énergie vitale. Empli de polyvalence, empli de ressources. Votre corps, quel que soit son état physique, oui, quelles que soient vos émotions, quel que soit votre état d'esprit, ressentez qu'il a signé un contrat avec vous, tant que durera cette incarnation. Et que même si vous n'aimez pas tel ou tel aspect de votre corps ou de ce qui se passe en vous, décidez à cet instant de ne pas fuir votre corps, mais de l'accueillir. De l'accueillir pour coopérer davantage avec lui. Avec son énergie pleine de vie. Comme pour entrer en harmonie avec lui. Retrouver la beauté de son architecture. La bonté de vos organes d'œuvrer comme ils le font à tout instant de votre vie. Ressentez que vous êtes seul avec votre corps là, solitude imbibée de vous-même. Et vous goûtez à l'énergie de votre souffle qui circule en vous. Accueillez, accueillez tout ce qui monte en vous lorsque vous êtes en lien avec votre respiration. Sans rien rejeter, sans rien vouloir d'autre que ce qui est là à cet instant. Et vous ressentez que vous êtes là, dans la matrice du ciel. Même si vous êtes à cet instant dans un appartement, dans une maison ou à l'extérieur, ressentez, imaginez que vous êtes dans la matrice du ciel. Pour vivre votre entreprise vie ici et maintenant, dans cette incarnation. Vous êtes dans la matrice du ciel. Vous y avez grandi depuis que vous êtes enfant, nourrisson. Et vous pourrez encore, sentez-le, grandir dans cette matrice en vous ouvrant à davantage de polyvalence encore. De conscience,
de confiance. Vous êtes dans la matrice du ciel, sur ce vaisseau Terre. Et vous y êtes chez vous, sur ce vaisseau Terre. La Terre qui a une histoire, un vécu. La Terre qui a vu passer des millions de générations, des milliards, depuis sa création, lorsqu'elle a accueilli le vivant, pour que sa créativité puisse s'offrir au monde. Vous êtes dans la matrice du ciel, la matrice de l'univers. Enfant de la terre vous-même. Et cela respire dans votre corps. Lorsque l'inspiration est là, elle est là. Lorsque l'expiration est là, elle est là. Aucune ne fuit son job. Chaque mouvement prend tout le temps dont il a besoin pour goûter avec plaisir son avancée, aller jusqu'au bout de sa mission, expirer, inspirer. Quand l'expiration a fait le tour de ce qu'elle devait faire, expirer, elle ne fuit pas son statut d'expiration. Hop, elle se laisse aller, le souffle se laisse aller dans une autre dimension, l'inspire. Et l'inspire fait son job. Jusqu'à ce qu'elle ait fait le tour de son job, aller au bout de l'inspire et hop, s'enfuir quoi que ce soit, hop, un nouveau relais se fait. Détendu, détendu. Et la vie se poursuit en vous, autour de vous, dans la matrice de l'univers, dans la matrice du ciel. Au cœur de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, le mouvement se fait. Chacun travaille au sein d'une entreprise, même en étant chômeur en ce moment, ou retraité en ce moment, ou étudiant en ce moment. On travaille au sein de la vie, chacun, chacune. Chacun dans son entreprise. Expérimentant de secteur en secteur nos qualités, nos ressources. Et quand on en a fait le tour, hop, on passe à une autre étape, une autre aventure.
comme chaque inspire, chaque expire. À cette étape du millénaire, tant de changements sont là, de transformations, de transmutations, pour chacun, chacune. Et tout en étant dans la matrice de l'univers, ressentez tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Tout ce que vous avez appris, même là dernièrement, dans vos différentes occupations, activités. Au-delà de ce que vous n'avez pas aimé, apprécié, pas apprécié, vous avez appris grâce à tous ces environnements, toutes ces personnes, toutes ces activités. Tant de compétences, de savoir-faire, de savoir-être. Ressentez la somme de vos acquis. Car vous ne pouvez pas ne pas faire le tour de tout ce que vous venez d'expérimenter durant ces derniers mois, ces dernières années, afin de grandir, pour aller dans une autre matrice. S'enfuir, mais juste pour pouvoir continuer à croître. Devenez enseignant pour vous-même, professeur de vous-même, dans la matrice de l'univers, récapitulant la somme de vos acquis, à travers tous ces postes par lesquels vous êtes passé, que vous étiez en activité ou oisif, ou en retraite, ou en souffrance, en dehors de l'activité, vous n'avez que cultivé des acquis. Devenez vous-même votre propre valideur de vos acquis. Dans le but de ne rien regretter, dans le but de ne rien vouloir fuir, dans le but d'aimer ce que vous avez vécu, car vous découvrez que grâce à tout cela, vous êtes devenu qui vous êtes aujourd'hui. Vous êtes le résultat, la résultante de toute cette multiplication de ressources, de polyvalence. Et c'est tout ce baluchon-là que vous emmènerez avec vous dans ce que va vous proposer la vie d'expérimenter. Pour y contribuer avec votre expérience de manière originale, inattendue, inspirante. Accueillez ce qui monte en vous. Tandis que vous sentez que cela respire en vous,
et que vous êtes dans les bras de la matrice de l'univers. Vous qui vous apprêtez à changer de matrice dans le concret de votre quotidien. Changer d'environnement, changer de relationnel, changer d'habitude, changer de manière d'être et de faire. Voilà, accueillez. Accueillez tout ce qui se pose en vous. Tandis que vous êtes sous la protection de la matrice, de l'univers, du cosmos, du ciel. Accueillez, accueillez ce qui monte en vous, tandis que votre sagesse intérieure vous rejoint. Votre âme, votre moi évolué, votre moi de sagesse. Comme un grand frère, comme une grande sœur, qui peut devenir là, pour vous, votre aîné. Non point votre patron, non point celui, celle qui veut faire en piétinant vos rêves et vos aspirations, non point. Juste votre aîné pour que vous puissiez vous redresser et cheminer main dans la main avec son énergie de sagesse. Sa lucidité, son discernement. Respirez avec votre être de sagesse. Comme un oui dans la fratrie, frère aîné, sœur aîné. Peut-être vous-même êtes-vous l'aîné, ou le cadet, ou le benjamin, peu importe. Mais votre juste place à l'intérieur se pose à nouveau tranquille, tranquillement. Vous qui êtes toujours l'aîné dans votre entreprise intérieure de déploiement de votre potentiel. Vous pouvez intérieurement contempler le regard de votre être de sagesse, lui toucher les mains, lui prendre les mains énergétiquement, ressentir son parfum, sa fragrance, emplie de qualités.
aidante pour vous, pour votre évolution, votre croissance. Laissez-vous entendre sa douce résonance venir jusque dans toutes vos cellules. Comme si vous deveniez l'énarque de vous-même, dans la grande école intérieure de la vie, pour être à votre juste place, au bon moment, vous qui avez tant à offrir. Dans vos compétences, vos ressources, vos savoir-être. Votre âme, votre être de sagesse qui ne veut que contribuer encore et encore. Peut-être à l'évolution des consciences, peut-être à la paix, à l'installation d'autres climats importants pour vous au sein du collectif humain. Respirez, respirez. Accueillez, accueillez même peut-être l'image de vous-même en train de vivre exactement ce que vous avez envie de vivre désormais, d'expérimenter dans le quotidien, d'offrir de vos qualités, de vos ressources, quittant une étape en paix. Pour aller dans une autre étape, grandir, vous expanser en paix. Stable, droit dans vos bottes, d'aplomb, d'équerre, souple dans le cœur et l'esprit. En sachant que là où vous aviez mis les pieds, votre énergie auparavant, quelqu'un d'autre va pouvoir mettre les pieds dans ces jardins que vous avez laissés, non point en jachère, mais qui embaument des saveurs qui les éclaireront pour grandir à leurs étapes de leur vie. Accueillez, accueillez, oui, l'image, l'ambiance de vous-même, le ressenti de vous-même tel que vous avez envie d'être.
quittant la matrice actuelle dans votre quotidien et vous dirigeant vers une nouvelle matrice qui va vous aider à vous épanouir, vous réaliser, vous accomplir. Continuez, continuez à accueillir comme ce nouveau chemin, ce nouveau schéma dans lequel vous avez envie, besoin d'être, de vivre, de vous expérimenter pour contribuer au projet de votre cœur, de votre âme, au sein du collectif humain. En sentant que la vie est faite de boucles temporelles, en spirale ascendante, et que c'est de boucle en boucle, c'est-à-dire de matrice en matrice, que vous vous construisez, que vous grandissez, pour goûter à la complétude de chaque matrice. Qui vous permet de monter de seuil en seuil, boucle après boucle, cycle après cycle. Respirez, respirez avec l'énergie sacrée, céleste, énergétique de vos guides, votre âme, votre sagesse intérieure. Vos aînés intérieurs pour devenir vous-même l'aîné. À votre juste place. Ressentez, oui. Ressentez, vous avez déjà fait dans votre vie le tour de tellement d'expériences dans des environnements particuliers, avec tel groupe de personnes.
vous en êtes à cette boucle temporelle actuelle, qui est peut-être un début d'espace de boucle temporelle, ou à la limite de changer de boucle temporelle, ou déjà installé dedans. Accueillez, accueillez. Permettez-vous intérieurement de vous installer dans la boucle temporelle qui ne veut que vous voir vous épanouir, vous déployer avec qui vous êtes, la somme de vos qualités, de vos compétences, de vos ressources, de vos énergies. En sécurité, en paix, avec toute l'énergie vitale nécessaire à cette étape de votre vie. Vous êtes l'histoire en marche. Vous faites partie de l'histoire, vous faites partie des histoires. Vous créerez l'histoire, vous créerez vos histoires, vous vous inscrivez dans le temps, vous vous inscrivez dans la linéarité du temps et dans la multidimensionnalité du temps. Ressentez, ressentez que vous devez tout à la vie qui vous habite, qui vous imbibe, qui vous anime, qui vous entoure. Vous devez tout à la vie qui vous accompagne à chaque cycle de la vie, de votre évolution, de votre croissance, de classe en classe, de classe d'âge en classe d'âge, de secteur en secteur, de métier en métier, d'amour en amour. Alors peut-être que votre cœur peut s'ouvrir à l'énergie de gratitude davantage encore à cet instant.
tandis que vous vous détendez dans les bras de la vie, dans les bras de votre souffle, dans les bras de l'air, dans les bras de la terre, dans les bras de la lumière, dans les bras de l'énergie fluide. Respirez, accueillez. La matrice vous porte et vous portez la matrice en vous. Et tout comme les enfants grandissent depuis leur plus bas âge, vous vous laissez vous-même grandir. Vous, enfants de la terre, oui, et de l'univers. Vous vous laissez grandir avec vos habits énergétiques qui prennent exactement vos justes mesures, qui se déploient avec vous. Comme si vous étiez en train de signer à chaque cycle de votre respiration des contrats lumineux avec la vie. Imaginez, sentez, vous vous mettez à signer les contrats importants pour vous à cette étape de votre vie, avec vous-même, avec autrui, pour déployer vos qualités, vos compétences, vos ressources, vos savoir-faire, pour contribuer dans ce monde à cette étape de votre vie, tout comme vous l'avez fait par le passé, dans d'autres boucles de temps. En fait, c'est votre âme qui signe les contrats là, pour vous, avec vous.
Ressentez, ressentez que l'histoire que vous avez écrite dans la boucle temporelle, le cycle temporel qui s'achève, tout cela est là, alchimisé, en vous. Depuis la gratitude de votre cœur. Offrant ces anciens terrains de jeu à d'autres êtres pour qui cela deviendra leur terrain de jeu. Tandis que vous vous installez dans la matrice qui vous convient désormais à cette étape de votre vie. Pour offrir le meilleur de vous-même, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Depuis l'énergie de votre cœur et la sagesse de votre âme et l'énergie lumineuse de votre corps. Inspirez la lumière, expirez la lumière. Accueillez ce qui est là, ce qui se pose en vous, ce qui se dépose en vous. Accueillez, laissez être, laissez faire. Tandis que se régule, se réaligne, se réharmonise tout ce qui a besoin de l'être en vous. À cet instant d'aujourd'hui. Dans ce temps de toute éternité, pour mieux être et mieux vivre dans le concret, de la matière, dans votre vie quotidienne. Inspirez la lumière, expirez la lumière. Un moment encore.
Et je vous invite intérieurement, avant de terminer ce voyage intérieur, de tendre vos bras intérieurs, ou concrètement, vers votre passé. Tous ces cycles successifs, ces matrices successives dans lesquelles vous avez grandi, et puis passer à d'autres matrices, comme si vous les remerciez, les embrassiez, leur offrez un hug énergétique. Et d'offrir un hug énergétique à cette étape du cycle dans lequel vous êtes. Et puis vers les autres cycles dans le futur dans lesquels vous allez aller. Doucement, vous savez que vous allez pouvoir ramener toute votre attention, votre conscience, ici, maintenant, retrouver le lieu dans lequel vous êtes, avec cette nouvelle énergie. Vous étirez, bâillez, salivez. Et vos yeux doucement s'ouvriront, c'est-à-dire le rideau des paupières va s'ouvrir. Pour que vous redécouvriez la matrice dans laquelle vous êtes. En sentant que toute cette énergie va continuer de vous accompagner dans les heures, les jours qui vont venir. Pour vous aider à être dans le concret de la matière. Aimant la chair. Tranquillement, doucement, simplement. Le goût de l'incarnation, le goût de concrétiser vos projets, le goût de la concrétisation de vos rêves. Vous allez vers ça. Je vais vers la concrétisation des désirs de mon cœur, de ce qui est important pour moi. Waouh ! Cadeau !